Oui, alors bonjour à tous. Peut-être de représenter ces conférences qui sont des conférences cours sur la thématique générale des scénographies, de l'architecture et des scénographies, et qui sont donc partie intégrante du master spécialisé monté donc par l'école d'architecture de Paris-Belleville en partenariat avec l'école Camando, d'où ma présence ici avec Nicolas. Ce master spécialisé qui est un master donc consacré à l'architecture et aux scénographies et qui nous amène à proposer cette série de cours donc qui sont destinés prioritairement aux étudiants du master mais ouverts à tous comme les conférences et les cours effectivement de l'école d'architecture de Belleville et j'allais dire comme nous le permet à la fois la technique mais aussi comme le font les grandes universités du monde entier, de diffuser très largement les contenus de connaissances qui sont captés lorsqu'ils sont en amphithéâtre et là qui sont ouverts quand ils sont sur Zoom, compte tenu de la situation qui nous interdit de nous réunir tous ensemble dans la même pièce. Et nous avons demandé à Aurélien Lemonnier, nous sommes très heureux de l'accueillir et de l'écouter. Aurélien, alors on se connaît nous, lui et moi, depuis très longtemps. Aurélien est architecte, historien, critique d'architecture. Aurélien, tu as été conservateur au musée Pompidou, au centre Pompidou, pendant une dizaine d'années. Et tu as été directeur du musée national de l'histoire de l'immigration. Alors, par ailleurs, il se trouve qu'on se connaît puisque tu es enseignant à l'école Camando, où tu encadres les mémoires de diplôme. Et tu es en train de préparer une thèse, de mettre la dernière main à une thèse sur globalement, et tu la présentes comme ça, sur les pratiques du paysagisme en France. Plus précisément, peut-être que tu nous en parleras d'ailleurs, puisque tu étais intervenu récemment au séminaire de recherche de l'école Camando sur l'œuvre et la carrière de Bernard Lassus. C'est une conférence absolument passionnante. Et nous avons fait appel à toi particulièrement sur une question qui te tient à cœur, sur laquelle tu as beaucoup travaillé, qui nous semble évidemment passionnante sur le plan de la scénographie, qui est la question d'exposer l'architecture. Comment on expose l'architecture? Quelles sont les problématiques liées à ce domaine particulier de la muséographie? Mais ça n'est pas que de la muséographie, c'est aussi de la scénographie. Et puis, donc, tu vas nous faire une présentation un peu de cette problématique. Alors, à la suite de laquelle, on pourra avoir un débat, des questions. Vous dire tout de suite que je vais servir de modérateur de manière à donner la primeur et le privilège évidemment aux étudiants du master spécialisé. Donc, je vous demanderai peut-être à la fin de l'intervention d'Aurélien de vous signaler si vous avez des questions par le biais de la conversation. Et puis, je vous donnerai la parole au fur et à mesure, sachant encore une fois que seront prioritaires les étudiants du master spé. Voilà, je vais vous demander à tous peut-être pendant la conférence de couper vos micros, de les maintenir coupés puisqu'ils le sont d'emblée. Et puis, peut-être aussi dès que Aurélien aura commencé à parler et à partager son écran, de couper nos caméras de manière à ménager au maximum la bande passante. Voilà Aurélien, je crois que je peux te laisser la parole et on Oui, t'écoute. et je rappelle juste que Oui. cette conférence est enregistrée, sera disponible en podcast par la suite. Voilà, je vous remercie et bonne conférence. Ah, Aurélien, on ne vous entend pas du tout. Aurélien? Aurélien? Partage ou ça partage pas du tout? Alors, l'écran est partagé, mais par contre, Dis-moi ça. l'écran, ça marche bien. C'est le son Attends, qui. est-ce que j'arrive à partager mon écran là ou pas? Oui, Oui, je suis là. mais le son, par contre, est Allô? absolument. Oui. Oui, je suis là. C'est le son qui pose problème. On vous entend une fois sur deux et de manière vraiment discordante.
Merde. Aurélien, est-ce que tu m'entends? Peut-être que tu peux l'appeler sur son téléphone, ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a un micro enlevé ou je sais pas quoi, ou un truc. Alors, attends. Vous m'entendez là? Mais du coup, le partage marche plus. Voilà, j'ai pu avec. Oh putain. Allô, Aurélien, tu m'entends? On t'entend là. On t'a reperdu. Allô? Mais moi, je sais pas, ça bug là grave. J'arrive pas, parce que là, c'est pas le bon écran que je voulais partager. C'est pas ça que je voulais partager avec vous. Un autre truc. Ah, voilà. Alors là, on s'entendrait? Là, on Alors. t'entend Aurélien. D'accord. Alors, je vais partager l'écran et je vais recommencer. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, est-ce que là, ça va? Là, c'est parfait. Vous m'entendez? Oui. Ah bon. Oui, Là, Aurélien. vous voyez mon écran un peu Et on voit ton bordélique? écran avec le PowerPoint. On voit le Avec PowerPoint à un peu 100%. bordélique, quoi. Vous ne voyez pas le PowerPoint complet. Je vais peut-être. Si, nous voyons le PowerPoint. Bon, alors, je vais peut-être pas. Je vais peut-être le laisser comme ça, parce que c'est peut-être en le mettant en diaporama que ça foire. Bon, alors ben, je suis ravi de vous rencontrer. Donc là, c'est bon, là, Alexis, tout va bien? C'est bon pour tout le monde. Ok. Alors, moi, j'ai quand même un petit peu besoin de vous voir. C'est quand même un peu mieux. Voilà, je vais essayer d'organiser mon écran de la sorte. Et voilà, et si ça marche, ça marche. Bon. Alors, ben, je suis ravi de vous rencontrer. Je ne vous vois pas vraiment, mais c'est normal. Bon, j'ai pas forcément en mémoire l'intégralité de ce que vous avez, enfin, des cours, des séminaires, des interventions que vous avez suivies. Cependant, moi, je vais vous faire une présentation de l'expérience que j'ai, grosso modo, de ce que signifierait. Présenter de l'architecture dans un musée. Alors, en effet, moi, les expériences que j'ai sont essentiellement liées à celles au Centre Pompidou, et puis, comme le disait Alexis, au Musée national d'histoire de l'immigration, pendant lequel j'ai assuré les fonctions de direction pendant 2 ans. Et c'est vrai que. Alors, je n'ai pas envie d'être. Je ne sais pas bien. D'abord, je ne sais pas bien qui vous êtes et je ne sais pas bien comment dire, ce qu'on a pu vous dire auparavant. Alors, moi, ma présentation, elle va être un peu, peut-être probablement polémique, dans le sens où, en tant qu'architecte et en tant qu'historien de l'architecture et en tant que conservateur, j'ai un peu de mal à, comment dire, d'un point de vue intellectuel, hein, j'entends, j'ai un peu de mal à accepter, ou en tout cas à assumer, ou en tout cas à porter comme une pratique cette division qu'il y aurait entre d'un côté l'œuvre architecturale et d'autre côté la scénographie. Grosso modo, la question de la scénographie,
me pose un problème, non pas la pratique de la scénographie, puisque moi j'ai pratiqué un certain nombre de scénographes en tant que commissaire d'exposition, mais en tout cas m'adressant à des architectes, cette division qui consisterait à dire qu'il y a la tête et les jambes, quoi. La tête serait le commissaire d'exposition et les jambes, le corps serait le scénographe qui mettrait en scène un propos. Il me semble, en tout cas dans l'expérience que je peux avoir, que le problème se situe d'une autre manière. Voilà. Et je vais essayer de vous montrer en quoi il s'expose d'une autre manière. Le premier paradoxe, si vous voulez, moi je suis un homme de musée. Qu'est-ce que c'est qu'un musée, si on dit de façon extrêmement schématique? C'est un espace, un lieu, un public où on présente des œuvres d'art, des tableaux, des peintures, des sculptures, des performances, des installations. Le problème de l'exposition d'architecture, c'est qu'on présente dans le musée, mais qu'est-ce qu'on présente? On ne présente pas les œuvres, puisque les œuvres d'un maître d'œuvre, c'est-à-dire les œuvres d'un architecte, ne sont pas dans le musée, c'est un bâtiment. Donc il y a fondamentalement une question d'échelle. Alors, qu'est-ce qu'on présente quand on fait une exposition d'architecture dans un musée? Ben, on présente plusieurs choses, et classiquement, je dirais, on présente un processus de conception. Voilà. Donc ça c'est un peu la question de l'œuvre absente, si vous voulez, non pas l'œuvre ouverte, mais Umberto Eco, mais l'œuvre absente est quand même le paradoxe d'une exposition d'architecture. Et ça c'est un peu le fil conducteur de la présentation que je vais vous faire. L'autre élément que je ne vais pas développer beaucoup, c'est que exposer l'architecture dans les musées, eh bien, je dirais qu'il y a une histoire de cela. Cette histoire, en France, on a commencé à s'y intéresser, l'histoire des expositions. Les musées ont commencé à s'intéresser à leur propre histoire de façon assez récente. Je dirais que c'est le début des années 2000 où il y a eu un processus de retour d'expérience où on disait, mais finalement, quelle est l'histoire des portes en matière d'exposition. Dans le domaine de l'architecture, je pense que c'est pour ça que je commence aujourd'hui avec cette image que je pense la plupart d'entre vous ont reconnu l'auteur, cette image d'Herbert Beyer, donc architecte, architecte d'intérieur, designer, élève au Bauhaus, dès les années 30 va commencer à travailler de façon très très significative sur la question de exposer l'architecture, et exposer l'architecture où, en l'occurrence au Museum of Modern Art de New York, qui est probablement l'institution moderne, et j'entends par moderne tout à fait conventionnelle, c'est-à-dire en gros au XXe siècle, hein, après 1905, puisque dans notre culture occidentale, et sur ce point, on y reviendra un peu plus tard, grosso modo, le leader, ou en tout cas le premier musée à s'être investi dans la question de l'exposition d'architecture, c'est le Museum of Modern Art, créé en 1928, et en 1932-1934, Herbert Beyer va contribuer de façon assez importante. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit une main et on voit un œil. Quel est le point de vue que Beyer veut ici mettre en œuvre, dire? C'est ce que j'appellerais la pulsion scopique. C'est-à-dire que une exposition, c'est en tout cas dans la vision moderne et vision à tous les sens du terme, c'est d'abord la question de la vision, précisément, c'est-à-dire la question de la perception, c'est la question de l'œil. Et il est relativement certain que dans la culture moderne, ou on pourrait dire moderniste si on voulait la critiquer,
l'insulter, ou en tout cas lui donner une teinte péjorative, le sens de l'œil, de la vision, est premier, et en tout cas est plus important que d'autres sens qui existent pourtant, à savoir l'ouïe, l'odorat, le toucher. Dans un musée, on ne touche pas trop, en général. En revanche, dans un musée, on voit. Alors, ce qui moi, m'intéresse, si vous voulez, Bert Beyer, je ne serai pas très long sur cette approche historique, mais ce qui est absolument intéressant chez Beyer, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est que la vision, elle est polydirectionnelle. Et c'est un peu ce que ce dessin de 1937 montre, hein. C'est de voir que finalement, exposer l'architecture, eh ben en fait, Beyer ne le dit pas vraiment, mais c'est quand même assez vrai, c'est fabriquer un espace. Donc en fait, exposer l'architecture, il y a une forme de redoublement. Exposer l'architecture dans un musée, c'est d'une part montrer des représentations de l'œuvre, mais c'est les montrer dans un espace sensible, complexe, visuel. Alors, bon, Beyer a écrit des traités sur ce sujet, mais vous voyez que ces schémas sont quand même très intéressants parce qu'ils n'excluent aucun plan de la perception, que ce soit le plan du plafond, le plan du mur, le plan du sol. Et donc, il y a une dimension, englobante, je dirais, de la question d'exposer l'architecture. Une vision englobante qui, à mon avis, est le premier, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, mais qui justement exige, ou en tout cas demande, à ce que on reconsidère de façon sérieuse cette division du travail un peu réductrice, à mon avis, d'un commissaire d'exposition qui fournit une liste d'œuvres, laquelle est mise en musique par un scénographe. À mon avis, sur l'architecture, mais sur l'art aussi, hein, et en tout cas, on sait pas avec l'architecture, cette dimension est un peu réductrice. Pourquoi ? Parce que ce dont il s'agit de faire quand on fait une exposition sur l'architecture, eh bien, c'est de rendre sensible la question de l'espace. Parce que malgré tout, quoi qu'on en dise, l'architecture, c'est quand même l'art de l'espace. Donc, faire une exposition sur l'architecture, c'est rendre sensible un espace. Ce n'est pas simplement montrer des objets. Ce n'est pas simplement montrer de beaux objets. Et pour ma part, j'ai pu en montrer de très, très beaux. Des maquettes de Franck Gehry, à des dessins conceptuels de Bernard Schmitt, tout ça est absolument merveilleux. Mais fondamentalement, il ne s'agit quand même pas de cela. Alors, ça, je pense qu'on va le garder, un peu en mémoire, comme étant un fil conducteur, je dirais une ambition, disons, l'origine de notre culture, hein, puisque le Bauhaus, c'est un peu l'origine de notre culture, d'une certaine manière. Donc ça serait le premier point que je porte à votre attention. Le second point que je porte à votre attention, c'est que dans l'histoire des musées, puisque pour ma part, je me suis beaucoup consacré aussi à la question de l'histoire des musées, si effectivement le Museum of Modern Art a une dimension originelle, il n'est pas le seul. Qu'est-ce que ça veut dire une dimension originelle ? Je me permets de faire une toute petite digression, une toute petite parenthèse. Ça veut dire que si vous voulez, quand vous commencez, et là je passe sur un autre plan, qui n'est pas le plan strictement de l'exposition, qui est le plan du rôle social de l'exposition. À quel projet le Musée Home of Modern Art s'était engagé ? Il s'était engagé à un projet extrêmement clair, défini en 1928 par Alfred Barr, son premier directeur, qui est de militer pour la culture moderne. Et il y a une dimension fondamentalement idéologique, et je le dis de façon neutre,
il y a une dimension fondamentalement idéologique dans l'histoire des expositions du Museum of Modern Art, de militantisme, en fait, hein, au sens large du terme également, de militantisme pour la culture moderne. Je vous rappelle que le chief curator, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le conservateur en chef de l'architecture au Museum of Modern Art, s'appelle Philip Johnson, et je pense que vous savez qui est Philip Johnson, c'est-à-dire un architecte moderne, il aura par la suite post-moderne, enfin, oublions cette question, qui sera aussi politiquement assez sulfureux, mais oublions également cette question. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le musée, le discours porté par un musée, n'est pas un discours neutre. C'est un discours qui est toujours orienté et d'une certaine manière engagé. Et le fameux style international que l'on connaît aujourd'hui depuis une dizaine d'années, Taschen publie des livres sur le style international. Alors, c'est quoi le style international? C'est Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius, hein, grosso modo, c'est à peu près ça. Et puis, incidemment, le style international est quelque chose qui a été inventé d'un point de vue curatorial par Philip Johnston et qui a fait l'objet d'une exposition en 1937, je crois, au Museum of Modern Art. De la même manière que lorsqu'on parle de design organique, de biomimétisme, ce terme-là a été également inventé au sein du Museum of Modern Art, dans une exposition, je crois que c'est 40-41, où Johnson invente une exposition qui s'appelle Organic Design, dans laquelle, évidemment, il expose Charles et Ray Innes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la dimension de la critique, de la théorie de l'architecture, a toujours, d'une certaine manière, a toujours passé par les fourches institutionnelles du musée. Parce que le musée est un lieu qui ambitionne à la fois d'être un lieu de médiation, de communication sociale, on va dire, mais également un lieu de théorie. Donc, en tout cas, de mon point de vue, le musée est un lieu où précisément recherche et présentation et diffusion et médiatisation des œuvres architecturales sont intimement liées. En France, on a un personnage éminent de cette histoire-là. Ce personnage a été un peu oublié. Pour autant, il est extraordinairement important. Et il vient d'où? Eh bien, il vient du musée des arts décoratifs. Cet homme s'appelle François Matté, qui était conservateur au musée des arts décoratifs à partir des années 60, et qui sera une des chevilles ouvrières de ce qui, dans les années 70, se nommera le centre de création industrielle, c'est-à-dire un des départements fondateurs du Centre Pompidou. Alors, François Matté, je ne vais pas vous en faire son histoire, mais en revanche, il y a une très belle thèse qui a été écrite et publiée, et toutes les archives sont extrêmement facilement accessibles à la bibliothèque des arts décoratifs. François Matté est un personnage extrêmement intéressant parce que précisément, c'est un personnage qui aura parfaitement compris ce rôle social de l'exposition. Une exposition d'architecture, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à parler de la société dans laquelle on vit. C'est à ça que ça sert. Parce que l'architecture, ça sert à quoi? Ça sert à interroger les moyens de réalisation que l'architecture peut avoir. Et c'est une forme de mise en miroir des conditions de possibilité même de construction d'un espace collectif. Alors, Matté commence dans les années 50. Pour mémoire, juste vous regarderez la fiche Wikipédia de François Matté, mais il était architecte en chef des monuments historiques, je crois, dans la région du Doubs dans les années 50. Et c'est un peu à lui que l'on doit la création, enfin, la possibilité même que Le Corbusier a eue de créer le couvent de la tour de Ronchamp. Juste après Ronchamp, il intègre le musée des arts décoratifs, il fait des expositions importantes et met en place, à partir de la fin des années 60, le centre de création industrielle.
centre de création industrielle, dont il deviendra le directeur, je crois, et qui participera activement à l'ouverture du centre Pompidou en 1970. Et là, j'attire votre attention sur les images que je vous montre ici. Parce que, qu'est-ce que fait Mathé en 77? Je vous rappelle, 77, on est l'ouverture du centre Pompidou. Ce musée est un musée absolument énorme. Son échelle défie toute la mesure de ce qui a pu en Europe exister. L'ambition sociale est extrêmement importante. Et donc, au moment où le directeur du Musée national d'art moderne fait la grande exposition d'ouverture du Musée national d'art moderne, qui est l'histoire des avant-gardes russes, hein, je parle de Paris-Moscou, je parle de Pontus-Sultène, François Mathé, lui, dans le hall d'entrée du Centre Pompidou, fait une exposition qui s'appelle « L'archéologie de la ville ». Qu'est-ce que c'est l'archéologie de la ville ? C'est un scénario, c'est une narration, c'est une fiction. Parce qu'une exposition, c'est toujours une narration. C'est toujours une histoire. J'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec le directeur du musée des Beaux-Arts de Besançon. Qu'est-ce qu'on est conservateur, nous ? Qu'est-ce que nous sommes historiens de l'architecture ? Eh bien, on fait quoi ? On raconte des histoires. Et une exposition raconte une histoire. Et Archéologie de la ville raconte cette histoire, prend un sens tout à fait singulier aujourd'hui, après nos 9 semaines de confinement, puisque c'est une histoire apocalyptique. Et François Mathé fait le pari de faire une exposition d'ouverture du vaisseau amiral de l'art moderne en France sur une narration apocalyptique. Laquelle, la voici, guerre nucléaire, le monde disparaît, l'homme disparaît. Qu'est-ce qui reste ? Il reste des objets insignifiants, les objets de notre quotidien, des verres, des cotons-tiges, des rouleaux de scotch, des pilules. Et c'est à cette narration que sont invités les visiteurs qui vont venir voir le nouveau centre Pompidou, c'est-à-dire dans une vision complètement à contre-pied de cet extraordinaire geste architectural de Renzo Piano et de Richard Rogers, d'une positivité de l'avenir, si vous voulez, et d'une positivité de la technique. Alors, je ne vais pas vous la décrire plus en détail, si ce n'est que dans le forum du centre Pompidou, parce qu'une exposition, c'est un espace. Et c'est toujours un espace dont il faut tirer parti. Le centre Pompidou accueillait à l'époque un très grand vide en double hauteur que l'on appelait le forum. Et François Mathé fait appel à des architectes radicaux, radicaux parce que c'est comme ça qu'ils se nomment, viennois, c'est-à-dire qui s'appellent Haus Rücker & Co., c'est-à-dire des architectes issus de l'activisme viennois, pour fabriquer ce propos, enfin cette mise en scène, parce que là il s'agit véritablement de mise en scène, de cette archéologie de la ville post-apocalyptique. Alors je pense que c'est important d'avoir en mémoire cette idée que exposer l'architecture, c'est faire de l'architecture, en fait. C'est ça que je souhaite souligner. Et je ne rentrerai pas dans les détails du projet Archéologie de la ville, vous trouverez le catalogue relativement aisément. Mais il y a déjà une ambition, un propos tout à fait sulfureux de dire en 77, on ouvre une nouvelle institution culturelle. Ah ben vous êtes parti. Si vous êtes là ? Allô ? Oui, on est là. Ah pardon, excusez-moi, c'est parce que ça c'est la page Zoom, vois que Madame Marine Rionnier. Non, ça, tout va bien. OK. Donc, je voulais... Excusez-moi si je suis un peu lent, mais c'est la première fois que je fais une conférence sur Zoom. Donc, j'apprends moi-même l'outil. Donc, ce que je veux dire, mais je le dis de façon un peu ferme. Parce que si vous voulez, c'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui fait la différence, à mon avis, en tout cas de mon expérience, entre une exposition d'art
et une exposition d'architecture. Vous comprenez bien que moi, j'adorerais exposer Léonard de Vinci. Pour exposer Léonard de Vinci, grosso modo, de quoi on a besoin ? Eh bien, on a besoin de murs blancs. On accroche les œuvres à 155 cm du sol et ça se suffit à eux-mêmes. Vous êtes devant la Joconde, quand vous êtes devant la Vierge au rocher, vous êtes dans l'œuvre. Quand vous faites une exposition d'archi, l'œuvre, elle est différée, elle est seconde et donc vous devez fabriquer un espace. Le propre de la peinture, c'est de fabriquer son espace propre, justement. L'espace qui est celui du tableau. Le propre de l'architecture, c'est de faire un espace qui est tout, d'un tout autre ordre. Le propre d'une exposition d'architecture, c'est de fabriquer le sentiment d'une spatialité. Alors, attends. Alors, bon, là, je vous mets des images parce que c'est vrai que dans les années 80-90, le Centre Pompidou avait beaucoup d'argent et a été en mesure de faire. Exposition en 92 ou 94, je me souviens plus. Le Copimelblo, vous savez, on construit le musée des confluences 30 ans après. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, pas grand-chose, c'est un peu un gros bordel, mais en fait, on voit une architecture. Et donc, on pourrait comme ça montrer comment, en France, à partir des années 80, comment l'architecture se montre, et l'architecture se montre en faisant œuvre d'architecture. Une autre exposition qui me semble un peu importante, et je vous donne comme ça quelques motifs, peut-être qu'en fait vous en avez déjà parlé, peut-être que tout ça est très connu pour vous, mais qui pour moi est importante pas pour moi, elle est importante en général, c'est l'exposition sur les immatériaux au Centre Pompidou toujours, conduite par, eh bien, pas par un conservateur du patrimoine, pas par un historien d'art, pardon, mais par un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard. Et donc, le Centre Pompidou, à ce moment-là, est devenu un lieu où on expérimentait quoi ? Eh bien, en gros, on expérimentait ce qui aujourd'hui est commun à nous, c'est-à-dire une communication dématérialisée. À l'époque, ça ne s'appelait pas Zoom, mais ça s'appelait le Minitel. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cela, mais c'était la première expérimentation Internet, enfin, dématérialisée de communication. Ça s'appelait le Minitel. Aujourd'hui, ça s'appelle Internet. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que mon premier point, c'était de dire une exposition d'architecture, c'est un lieu d'expérimentation de l'espace. Le second point de mon propos est de dire que une exposition, c'est un espace de recherche. C'est un espace de recherche. Et donc, c'est un espace où les compétences sont pluridisciplinaires. Vous comprendrez bien que dans ce que je dis, que tout d'un coup, la division du travail commissaire scénographe, elle se rejoue de toute autre manière, à mon avis. Alors, je vais passer sur mon égo-histoire, d'une certaine manière, puisque c'est ce que je peux vous parler de mieux. En tout cas, c'est ce dont je vais essayer de vous communiquer quelques éléments. C'est vrai que c'est des choses auxquelles j'étais à l'initiative, et donc du coup, il m'est plus facile de d'en parler, et puis bon, voilà, ça me fait plaisir de retourner dans les vieux cartons. Je parlais de la question de la recherche. Je parlais également de la question patrimoniale, c'est-à-dire qu'un musée de base, si je puis dire, a pour fonction de valoriser un patrimoine culturel. Bon, ok. Dans le cas de Léonard de Vinci, je pense qu'on ne trouvera à peu près personne sur Terre pour contester l'autorité absolue de Léonard de Vinci. Bon, ça c'est clair. En revanche, dans le domaine de l'architecture et dans le domaine de la relation entre le musée et la question de l'architecture,
la dimension prospective est absolument est assez importante. On en a parlé pour le MoMA, et là, je voudrais vous donner un élément important, je crois, de l'histoire muséale française et d'une certaine manière européenne depuis les années 2000, c'était la question des modernités plurielles. Pourquoi ? Parce que le musée est un espace de recherche. A priori, il ne l'est pas vraiment, il a du mal à le faire, il aimerait le faire, c'est compliqué, ce n'est pas si simple, certes. Néanmoins, sa mission est quand même celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire la recherche ? Ça veut dire constituer des corpus, c'est-à-dire constituer des unités de sens, constituer des séquences de sens. Et c'est ce que Catherine Grenier, alors directrice adjointe au Centre Pompidou, avait engagé dans la question des modernités plurielles. Modernité plurielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, et je vous la fais super courte, l'histoire de l'art et l'histoire de l'architecture s'est globalement construite sur un européanocentrisme. Et que posant une hiérarchie, finalement, entre le modernisme européen qui, par contagion bienfaisante, s'est diffusé ensuite dans le monde entier. Cette vision-là est quand même très archaïque. Et l'idée de modernité plurielle, c'était justement de trouver un autre centrement, enfin, de produire un décentrement par rapport à l'autorité idéologique de la modernité occidentale. Pour cela, comment faire ? Eh bien, il faut identifier d'autres espaces de création, d'autres lieux d'inventivité qui ne sont pas forcément soumis dans ce rapport hiérarchique avec l'autorité occidentale. C'était l'ambition de modernité plurielle. Pour ma part, j'ai travaillé à la fois sur l'architecture au Maghreb et l'architecture en Inde, on en reparlera. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, fabriquer une exposition d'architecture, c'est aussi fabriquer, inventer en fait, ou constituer des corpus documentaires qui n'ont pas nécessairement été rassemblés auparavant. Alors, c'est un peu ce que symboliquement montre cette image. Ici, on n'est pas face à des œuvres. On est face à des photocopies ou couvertures de revues. Bon. En même temps, c'est tout le boulot, tout le travail. Donc, on n'est pas non plus sur de la scénographie, même si, évidemment, la présence de ce mur qui doit faire 8 mètres de long sur 4 mètres de haut est importante. Mais on est sur la question de comment on fait, comment on incarne spatialement cette idée de fabrication d'un corpus. L'histoire de l'art, de mon point de vue, je ne dirais pas forcément de cette manière dans un autre espace que celui qui nous réunit, c'est une invention. Ce n'est pas une autorité, c'est une construction. Et le musée, de ce point de vue-là, est un des lieux, mais comme l'université, comme les écoles, est un des lieux où l'on fabrique ce corpus. Et c'est déjà une position forte que de proposer ça. Donc, construction, invention, rassemblement de corpus. Alors là, pour l'anecdote, je vous montre quelque chose qui a à voir avec l'architecture indienne. Alors évidemment, là, vous comprendrez bien que comment fait-on à Paris pour montrer une architecture qui non seulement est très très loin, mais qui en plus est dans une culture très très différente de la nôtre. Alors bon, là, en l'occurrence, moi, j'avais travaillé sur une figure importante qui s'appelle Rajendran, mais c'est pas le sujet. Le propos, c'est de dire on va tenter, avec des outils très classiques, de restituer justement la complexité de ce qui fait l'architecture. Et donc, pour un commissaire d'exposition, et ça a des influences directes sur le matériel que l'on présente, il faut croiser les supports. C'est-à-dire que vous avez des dessins, vous avez des photocopies,
vous avez des photos, vous avez des entretiens, vous avez des interviews, vous avez donc une hétérogénéité extraordinaire de matériel. Et donc, faire une exposition d'architecture, c'est considérer cette hétérogénéité de matériel, à mon avis. Alors là, vous voyez, on est dans le super classique de ce que la France sait le mieux faire, quoi. Exposition extrêmement classique, mais en même temps qui, vous voyez, blanc, machin, soc, impeccable, accrochage, nickel, mais en même temps, dans une hétérogénéité de support. Et ça, je pense que c'est important parce que exposer l'architecture, si j'en reviens à ce titre, à ce programme, c'est assumer cette hétérogénéité-là. Parce que, vous voyez, la maquette que vous avez sous les yeux, ce n'est qu'une maquette. Ce n'est pas le bâtiment. Donc, comment on fait pour présenter le bâtiment? Eh bien, par un effet de collage. Alors, un effet de collage qui peut appeler des recherches assez, assez complexes, assez fortes, qui engage à des logiques de recherche assez importantes. Pour ma part, j'ai continué mon travail sur l'architecture indienne, sur l'architecture au Bangladesh. Et il faut savoir que le Bangladesh est un pays très complexe, très petit, avec une population absolument colossale. Politiquement, c'est une catastrophe. Les frontières du Bangladesh ont été définies par la partition postcoloniale qu'ont imposé les Anglais en quittant le Raj britannique. Et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tout d'un coup, le musée devient le lieu où précisément on va, comment dire, construire une identité culturelle. Et moi, si je suis allé faire une exposition à Dhaka, donc Dhaka, capitale du Bangladesh, c'était précisément pour réunir un corpus d'une vingtaine d'architectes qui avaient œuvré depuis 1947 à la construction nationale. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur le contexte du Bangladesh, même s'il faut savoir que tout d'un coup, et vu de loin, c'est le titre de ce chapitre, il est certain qu'il y a une rencontre, il y a une superposition entre l'histoire politique et l'histoire architecturale. Donc, à un moment, parler d'architecture, c'est aussi parler de politique, c'est-à-dire la partition de 1947, le massacre de 1977 et la manière dont les architectes eux-mêmes vont réinterroger les sources de l'identité de leur culture pour façonner un État qui, globalement, même si ce n'est pas tout à fait le cas, est quand même basé sur une forme de laïcité et sur sur un État démocratique, on va dire. Et que l'architecture est prise là-dedans. Et que l'exposition d'architecture est prise là-dedans. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe au Bangladesh? Le Bangladesh, c'est le pays le plus pauvre, un des pays les plus pauvres du monde. Mais c'est aussi un des pays les plus riches. Et c'est un pays qui, depuis 10 ans, voit une activité industrielle et commerçante extrêmement forte. D'ailleurs, d'un point de vue agricole, le Bangladesh, c'est un pays d'une richesse absolue, puisque c'est le seul pays au monde où on est capable de faire 3 récoltes de riz par an. Donc, c'est un pays qui, d'un point de vue agraire, est extrêmement riche. Le problème du Bangladesh, c'est que la définition de ces frontières politiques fait qu'il est dans une position ancillaire. Les sources du Gange sont captées par l'Inde, il a un accès à la mer extrêmement limité, et en plus ses racines culturelles, qui sont celles du Bengale, ont été coupées, puisque Calcutta, qui est objectivement la capitale du Bangladesh, est en Inde. Mais en tout cas, ce qui se passe depuis 10 ans, c'est qu'au Bangladesh, vous avez une classe moyenne extrêmement importante qui est en train de se développer.
et une urbanisation délirante qui est en train de, qui est galopante. Donc, du coup, demander au Centre Pompidou, quand on est une fondation privée qui organise une biennale d'art contemporain, demander au Centre Pompidou de faire une exposition sur l'histoire moderne de l'architecture au Bangladesh, c'est d'une part, comme je disais tout d'un coup, réassembler un corpus qui n'existait pas auparavant, ou en tout cas dont l'homogénéité n'existait pas auparavant, et c'est aussi donner tous les moyens à une classe moyenne émergente, c'est-à-dire des gens qui ont en gros votre âge, de trouver ses repères et ses références culturelles. Alors moi, en l'occurrence, j'ai joué, pour faire cette exposition, un classicisme extrême. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai joué la carte d'une exposition très patrimonialisante, c'est-à-dire une célébration, le hiératisme classique de montrer des dessins, que je suis allé quand même chercher dans les poubelles des architectes. Enfin, c'était pas grave, c'était justement très exaltant, pour justement montrer l'histoire sur 60 ans de la culture architecturale au Bangladesh. Qui a inventé des matériaux d'exposition ? Moi, il m'est arrivé de dire à un architecte, bon, écoute, là, moi, j'ai besoin d'un dessin. C'est un bâtiment que tu as construit dans les années 80. Fais-moi un vide croquis parce que j'en ai besoin. Dans quoi ? Dans ma narration. Donc, voilà. Donc, c'est le premier grand chapitre qui est de dire le musée et l'exposition d'architecture a aussi pour fonction de construire des unités de sens à partir de matériaux d'exposition que sont des dessins, des photos, des crobards, des maquettes un peu dégueu. Voilà. Et dans une sémantique, je dirais, d'exposition avec plein de natures de documents. Des photos, des grandes projections, des entretiens, des productions audiovisuelles importantes. Et que c'est toute cette complexité documentaire qui fait qu'à un moment, le sens advient. Je vous fais une petite parenthèse parce que j'aime bien le Bangladesh quand même. Et c'est là où Louis Kahn a construit le bâtiment. Louis Kahn, hein, vous voyez, l'architecte américain, c'est là où il a construit son œuvre majeure, qui est quoi ? Et bien, qui est le Parlement de la République populaire du Bangladesh. Donc l'architecture est complètement prise. Est complètement en prise avec la question politique. Et c'est la même chose en Inde. Et le chef-d'œuvre de Louis Kahn, ce n'est pas, je suis désolé de le dire si j'en choquerai certains à vous le dire, ce n'est pas la bibliothèque de Philadelphie, ce n'est pas Salt Lake City, c'est le Parlement de Dhaka. C'est ça son chef-d'œuvre. Et je dirais même autre chose, qui est d'un point de vue politique important et que justement, ce point de vue politique, il est audible du point de vue du musée. Ce qui fait que Kahn est devenu Kahn, c'est parce qu'il était au Bangladesh. Kahn serait resté, cet architecte moderne, un peu déviant, brillant, de Philadelphie, mais il serait resté cela s'il n'était pas allé au Bangladesh. En allant au Bangladesh, il devient un des 10 architectes. Au XXe siècle, par le fait même qu'il s'est confronté à cette altérité-là. Bon, ça c'est mon propos, mais justement c'est un propos d'architecture. Ce propos est un peu extrême. Hein, je suis capable de le justifier. Je le dis là de façon un peu schématique, mais comme un fil conducteur, comme une idée, quoi, comme une idée. Mais une idée intéressante. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est une idée qui permet précisément de donner tout son rôle
à la présentation dans les salles du musée de l'architecture. Alors ça, c'était mon premier point. Utiliser les codes de scénographie ultra classiques pour rassembler des corpus totalement pas classiques. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, qui va un peu être diffus sur toute la suite de mon exposé. D'ailleurs, excusez-moi, je vérifie l'heure. Oui, je suis un peu, je déborde. Oui, je prends encore une demi-heure, hein, puis comme ça, on a une demi-heure de causerie après. C'est la question de l'expérimentation. De l'expérimentation de quoi ? L'expérimentation d'un espace. Une exposition d'architecture, c'est, alors à la différence de ce que je vous ai montré précédemment, hein, là on n'expérimente pas un espace, on accroche de façon extrêmement élégante ou conventionnelle des dessins sur un mur. Bon, là en l'occurrence il est noir, il aurait pu être blanc. En revanche, une exposition d'architecture, c'est aussi l'expérimentation d'une spatialité. Et de ce point de vue-là, je donnerai comme exemple l'exposition sur les mégastructures, c'est-à-dire cette vision utopique et assez délirante de l'architecture expérimentale des années 60, j'ai faite en collaboration avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles sur la question des mégastructures au lieu unique à Nantes en 2017. Bon, les mégastructures, moi je ne vais pas vous en faire toute l'histoire, mais c'est grosso modo l'idée, c'est l'idée d'une infrastructure, c'est l'idée de créer, que l'architecture disparaît dans une superstructure monumentale. Un des acteurs les plus connus, enfin, pas connus d'ailleurs, mais les plus renommés, en tout cas dans le champ de l'histoire de l'architecture, c'est Conrad Waxman, hein, vous savez, ce menuisier allemand qui construit dans les années 30 la maison d'Albert Einstein en Allemagne et qui développe en gros un peu avant ou simultanément avec les structures tridimensionnelles. Alors, il a une histoire absolument invraisemblable, ce Conrad Waxman, parce qu'il est exfiltré, ayant travaillé pour Einstein dans les années 30, Einstein ayant immigré aux États-Unis au moment où le nazisme prenait tout le pouvoir et toute la place. Einstein avait aussi comme mission d'aller chercher les meilleurs ingénieurs et meilleurs scientifiques allemands, et Waxman a bénéficié de cette exfiltration-là. Une filtration qui fait qu'il est installé, je crois, à Harvard. Je ne sais plus si c'est Harvard ou une autre université, et où il va développer la question des structures tridimensionnelles. Les dites structures tridimensionnelles, qui vont devenir un des paradigmes de l'architecture contemporaine des années 50, moderne. De façon d'ailleurs assez douteuse, ici, vous avez un hangar pour avions. Lesquels avions sont les bombardiers B-52 qui avaient pour fonction de détruire le Vietnam. Mais ça, c'est encore une autre histoire. L'idée de la mégastructure, c'était que, évidemment, le Centre Pompidou avait dans ses collections beaucoup de dessins absolument extraordinaires, merveilleux, de toutes ces fantaisies architecturales. Mais l'idée exposer dans un lieu très grand public, hein, parce que le lieu unique, ce n'est pas un musée, c'est une salle de spectacle, c'est un centre d'art, et dans une exposition qui en plus n'est pas payante, c'est des expositions gratuites. Donc l'idée, c'était de faire percevoir cette dimension structurelle, technique, fantasmatique même, la technique comme une fantasmagorie qui était contenue dans cette espèce d'élan très, très singulier des mégastructures des années 50-60. Et donc, on a travaillé avec l'École d'architecture de Versailles, et ben quoi, à la construction d'une mégastructure. Voilà. Comment mieux présenter une mégastructure qu'en montrant, qu'en fabriquant
une méga structure. Alors là, on ne l'a pas faite en acier, on l'a faite en carton. Enfin, elle fait quand même 200 mètres de long, plus de 150 nœuds, et on a construit une charpente tridimensionnelle pour l'espace du lieu unique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire œuvre d'exposer l'architecture dans un musée, c'est faire œuvre d'expérimentation. Parce que si, finalement, les structures tridimensionnelles, elles sont vaguement connues, elles sont connues, et si les ingénieurs peuvent vous les calculer, engager une petite équipe d'étudiants en quatrième année d'architecture pour réaliser une superstructure, une charpente tridimensionnelle qui fait 200 mètres carrés, avec un budget de 10 000 euros, et ramener tout ce petit monde dans un espace muséal ou paramuséal comme le lieu unique pour le construire, voilà moi ce que j'entends être le rôle d'un musée, quoi, d'une institution culturelle, c'est-à-dire rendre possible, faire rentrer la question de la pédagogie et de l'expérimentation. On n'était pas du tout certain que ça passe, hein. Ça pouvait se casser la gueule, notre affaire. Bon, il se trouve que on a un tout petit peu d'expérience dans le domaine et que moi-même, je suis architecte et que donc, du coup, on savait que globalement, on passerait le coup, quoi. Et donc, ben voilà, on passe le coup. Et le coup, c'est ça. C'est cette méga structure, c'est cette charpente en carton qui ne pesait pas très lourd, d'ailleurs, qui a été complètement construite pour être un des objets de l'expérience muséale du visiteur. Alors là, je vous montre des photos de chantier. Elles sont noires et blanches, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vous montre des photos de chantier. Et puis, je vais vous montrer des photos de l'exposition ensuite. Bon, après, voilà, mon collègue et moi, on s'est un peu amusés sur les titres. Voir grand pour voir, tout ça. On a retrouvé des citations assez marrantes d'un certain Georges Pompidou, président de la République, qui écrit quelque chose qui doit forcément nous interpeller. Nous sommes des conservateurs de civilisation, ça c'est clair. Le musée est un espace de conservation. De conservation de quoi? De la civilisation. Majoritairement occidentale, tout l'enjeu de modernité plurielle, c'était de l'ouvrir à une civilisation un peu plus plurielle. La difficulté est d'être en même temps des créateurs. Et moi, je trouve ça intéressant, si vous voulez, parce que moi, je suis architecte, mais je suis aussi conservateur. Et moi, mon problème, c'est d'être conservateur et créateur. Et donc, voilà des vues de cette exposition où on a allié conservation d'œuvres patrimoniales, vous voyez, les maquettes impeccables sur leur capot de verre, nickel, les dessins encadrés, pas de problème, des grandes projections pour être dans l'espace. Là, ce que vous voyez, c'est le dôme de Fuller pour l'exposition de Montréal. Et être dans un espace méga structurel à proprement parler. Donc moi, je crois que faire une exposition d'architecture, c'est fabriquer une spatialité. On ne peut pas toujours le faire. Parfois, il faut ne pas le faire. Mais globalement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'un côté le commissaire et puis de l'autre côté le scénographe. Ça ne marche pas, cette vision-là. La vision qui fonctionne, c'est de dire que l'on fabrique des espaces et qu'effectivement, le scénographe y apporte sa contribution et que le commissaire d'exposition y apporte le programme, des ambitions fondées sur un propos intellectuel. Alors, voyez là, la petite image, c'est ce qu'on faisait dans les années 2000, dans les années 90, quoi. On disait qu'on reconstitue un espace en mettant les vrais meubles derrière une jolie photo. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà un travail, quoi. C'est déjà quelque chose. On peut aller plus loin, à mon avis.
Et il se trouve que en 2010, j'ai été associé à une exposition qui sur le grand mouvement d'avant-garde hollandaise qui s'appelle De Stijl. Alors, De Stijl, c'est Mondrian, quoi, grosso modo, c'est l'abstraction géométrique. C'est un peu le pendant de... Non, c'est l'abstraction géométrique, c'est pas le pendant du Bauhaus. Et une des œuvres architecturales les plus extraordinaires et perdues, c'était La City in Space de Frédéric Kiesler. La City in Space de Frédéric Kiesler, c'est quoi ? C'est une scénographie en 1925 pour le pavillon autrichien de l'exposition internationale des arts décoratifs. Mais c'est d'abord une scénographie, même si Kiesler, avec un talent extraordinaire, le fera, le présentera très rapidement comme une œuvre à partir de 26-27. Mais en 25, c'est une scénographie. Et c'est cet objet. Vous voyez, cet objet extrêmement curieux. Alors, vous voyez tous les motifs de l'écriture architecturale de Stijl. Hein. On a l'impression que c'est un grand meuble de Guéritrine. Bon, mais alors voilà. Mais alors, le problème, c'est que si vous voulez, cet objet, il a été détruit. Il a été énormément publié. C'est une espèce de chef-d'œuvre, c'est une espèce de fantasme, en fait. Mais il a été détruit. Or, il incarne, en tout cas, on peut le justifier de moult manières, il incarne quand même le tout autant que la maison Schroeder et tout autant que la Red and Blue de Rietveld, la conception de la spatialité que... les artistes du mouvement de Stijl et les architectes du mouvement de Stijl se faisaient. Et l'idée, ça a été de reconstruire cet objet. En même temps de le reconstruire, mais on dispose, dans le monde entier, la recherche que j'ai conduite fait qu'on dispose de 18 de l'objet. Un objet qui fait plus de 15 mètres de long et qui est forcément complexe. Donc, c'est quoi le boulot là ? Eh bien, le boulot, c'est fort d'une connaissance en histoire de l'art, fort de compétences d'architecte, c'est de fonder les deux pour reconstituer, reconstruire, redessiner la City in Space de Kiesler. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, vous avez donc à gauche, je ne sais pas si ça va voir à gauche pour vous, mais enfin, la photo ancienne. Et puis, vous avez là une maquette en carton au 20e que j'ai faite dans ma maison de campagne pour essayer de reconstituer la City in Space de Kiesler. Et ça marchait pas mal, tant et si bien que, ben, on l'a reconstruit en vrai après, dans la salle du musée. Et c'est devenu ça, au sein du Centre Pompidou. Donc, une compréhension sensible de l'espace. Voilà. Alors là, il y en avait une autre, mais je le passe parce que c'est pas pertinent. Alors après, de quoi on parle ? On parle qu'en fait, le musée, là je vais aller vite là-dessus, parce que c'est plus une question de commissariat d'exposition que de scénographie à proprement parler. Le musée, c'est aussi l'espace qui interroge ce qu'il est. Tout comme, à mon avis, une école est un espace privilégié pour interroger ce que doit être, ce que peut être, ou ce que serait une école. Et c'est un peu ce à quoi je me suis livré, notamment pour l'ouverture du Centre Pompidou-Metz. Là, je vous montre quelques images. Alors, ça, ce n'est pas une exposition, ça, ce n'est pas la partie dont j'étais commissaire. Vous voyez que tout d'un coup, la spatialité dans laquelle on va voir ces objets iconiques, alors là, celle d'Hélène Gray, etc., est importante. La partie que moi, à laquelle je me suis consacré, celle-ci, celle sur l'histoire. Ben, l'histoire de quoi ? L'histoire de l'architecture moderne des musées. Donc, il y a une forme de mise en abîme. Et puis, j'ai continué sur
les projets d'art contemporain, de fonds régionaux d'art contemporain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est que le musée s'expose lui-même à travers son architecture. C'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'à un moment, le process architectural est partie prenante de l'identité muséale. Et donc, il y a forcément un lien extrêmement fort de cause à effet entre l'histoire de l'architecture et comment l'histoire de l'architecture donne corps à une institution muséale. Alors là, je passe, puisque j'appelle ça le dernier flamboiement, mais ça, c'est les expositions. Vous savez, les expositions commandes. Donc, c'est les expositions où pour célébrer la carrière de Franck Guéry ou pour célébrer la carrière de Bernard Tchoumi, on expose les maquettes de Bernard Tchoumi ou de Franck Guéry. Mais par rapport à notre propos, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus pertinent. Là, on est dans une approche tout à fait classique, comme vous le voyez un peu sur les images. On est un peu moins dans une approche classique quand il s'agit de faire rentrer dans le musée. Et là, Alexis, je vais un petit peu redoubler, effectivement, à savoir mon intervention au séminaire Ambiance pour habiter du mois de février. Mais là où on est un tout petit peu moins classique, quand il s'agit de quoi ? De produire des architectures, et là en l'occurrence c'est des paysages, c'est un paysage, un jardin, mais de produire un espace au sein du musée. Parce que le musée, et c'est ce qu'il a été au Centre Pompidou dans les années 80, c'est ce qu'il a été un peu moins dans les années 90-2000, c'est ce qu'on cherche toujours à le faire, que le musée est un lieu de commande d'architecture. Et là, en l'occurrence, le coût est double, si vous voulez. Il s'agit d'une part que le musée soit commanditaire d'une architecture, d'un jardin, pour faire rentrer la question du jardin et du paysage au sein de l'institution. Ce à quoi je me suis employé, d'abord de mon initiative personnelle, puis ensuite secondé de façon extrêmement forte par la responsable de la bibliothèque du musée du Centre Pompidou, qui aujourd'hui est la responsable du musée des arts décoratifs. Je veux nommer là Stéphanie Rivoire, assistée, accompagnée de la documentaliste Karine Baumel, que je salue au passage. Et toute la question, c'était de dire, patrimonialiser un fonds d'archives, c'est-à-dire le faire rentrer dans la bibliothèque Kandinsky, et ça c'est l'espèce de schéma un peu bizarre que vous avez ici. Simultanément à ce qu'on va, on va produire une œuvre originale, on va faire produire par le paysagiste qui s'appelle Bernard Lassius, faire produire une œuvre originale, et que tout ça sera orchestré dans le cadre d'un séminaire de recherche, d'un séminaire de travail conjoint entre la bibliothèque Kandinsky, la conservation du musée et, encore une fois, l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Bon, c'est un peu un hasard, c'est parce que j'ai des copains là-bas et donc du coup on travaille comme ça. Donc si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que l'architecture au musée, c'est aussi une politique. C'est une politique patrimoniale, c'est une politique éditoriale, c'est une politique d'exposition, c'est une politique de mécénat, c'est une politique de commande. Donc ça n'a grosso modo, et là je le dis avec mille guillemets parce que c'est enregistré, ça n'a grosso modo rien à voir avec la scénographie. Ça a tout à voir avec la programmation. Et c'est là où, à mon avis, le jeu se fait. Le jeu se fait, et les architectes y sont complètement invités. Les scénographes y sont complètement invités. Mais le jeu se fait, non pas dans une division du travail où, à un moment, on va dire j'ai une liste d'œuvres, mets-le-moi en scéno. Non,
elle se joue au cœur même de l'institution, c'est-à-dire dans l'acquisition d'une archive, dans son traitement. L'acquisition d'une archive, elle fait objet d'un discours. Elle fait objet d'un discours qui peut être montré dans un espace d'exposition. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place au Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire faire musée d'histoire ? Eh bien, ça veut dire de montrer le rôle que le musée a dans la connaissance et dans la médiation et dans la médiatisation, en l'occurrence pour le musée de l'histoire de l'immigration, de la culture des immigrés. Donc, s'il y a une scénographie à faire, c'est la scénographie du travail du musée. C'est le travail du musée qui doit être montré aux visiteurs, parce que c'est et qui doit être dit comme tel, puisque quand bien même vous faites une exposition sur Nicolas Poussin au Louvre, eh bien c'est André Lenôtre qui a acheté le premier Nicolas Poussin et qui l'a offert à Louis XIV. Donc on est déjà dans une logique patrimonial et culturel. Le musée est acteur et il serait une erreur, à mon avis, de penser que le musée est neutre. Le musée n'est pas neutre. Le musée est narrateur. Et il me semble que montrer cette narration par le biais de la sensibilité spatiale et donc scénographique, l'enjeu, c'est bien de montrer comment le musée est acteur dans la construction d'une œuvre artistique. Alors bon, je ne sais pas si mon propos est extrêmement clair, enfin il l'est pour moi, pour vous, j'espère qu'il le sera. Et donc moi, c'est ce à quoi j'ai essayé de... Enfin, c'est dans ces pas-là que j'ai essayé de me loger, lesquels ont été très largement en France initiés par François Mathé. Ici, je vous montre une exposition sur Bernard Lassus en 1974, au musée des arts décoratifs, où on n'invente rien, on reconstitue. Et là, on reconstitue un habitat populaire, puisque c'est le propos de Bernard Lassus. Et donc, du coup, pendant un an, en 2016, entre 2016 et 2017, avec Lassus, avec Lassus et avec les équipes du musée, avec la bibliothèque Kandinsky, avec des collègues conservateurs, on a accompagné le paysagiste pour la réalisation d'un jardin sur la terrasse sud du Centre Pompidou. Là, je vous montre quelques petits dessins. Et donc, encore une fois, on est dans une logique expérimentale, on est dans un chantier, on est dans un processus, de création, parce que faire une exposition d'architecture dans un musée, pour moi, c'est produire une architecture. Et c'est cette architecture-là qu'en 2017, on a essayé de faire avec Bernard Lassus. Donc, c'était quand même un beau jardin. Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais enfin, il y avait quand même du matos. Et c'était, c'était finalement à la fois montrer le jardin et en même temps montrer le processus par lequel ce jardin est advenu. Et ici, vous avez un nuancier qui faisait quand même 5 mètres de long, qu'on a punaisé au mur et qui est le nuancier de la grotte que vous avez ici. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, ce soir. Mais merci beaucoup Aurélien, merci. Comme toujours, quand tu commences, on se demande toujours où tu veux en venir, mais c'est toujours passionnant. J'espère que vous savez où je suis. Où on est arrivé. Effectivement. Voilà, il y a la question du sens. Non, pour rebondir là rapidement et peut-être engager ensuite le dialogue avec les étudiants, ce qui est très important, c'est que je suis absolument d'accord avec un certain nombre de choses que tu as évoquées. Dieu sait si effectivement l'histoire de l'art, c'est une construction. Je suis entièrement d'accord. Et donc le musée, enfin quand tu parles effectivement de construire des séquences de sens, des suites de sens, j'adhère complètement. Et je pense que effectivement là ça colle assez bien avec
tout ce qu'on essaie d'enseigner au sein de ce master, c'est la question du sens, c'est bien la question du fond. Oui. Et que ce fond, il se construit. Et l'histoire est une construction, c'est-à-dire celle qu'on défend, toi, moi. D'ailleurs, on pourrait aussi rentrer en débat hein, sur j'aime bien ton idée de modernité plurielle, effectivement, mais tu parles d'européanocentrisme, moi je parlerai de modernocentrisme. Mais tu me connais, je suis un peu vieux con. Mais cette idée qu'effectivement, il y a des constructions. Et ce sont ces constructions, alors qui. J'allais dire qu'on a une espèce d'analogie hein, entre la construction matérielle et celle de l'expo, et tu le montres très bien avec cette expo sur les structures, ou encore la restitution de Kiesler, qui est juste hallucinante, cette espèce d'archéologie à partir de photographies, pour que l'exposition vienne compléter les mots. Alors, j'entends bien par ailleurs la petite discussion qu'on a en off tous les deux, parce que ça recroise effectivement beaucoup des préoccupations en ce moment du Musée des Arts Déco, c'est-à-dire les mots et les choses, quoi, les mots et l'espace, les mots et l'immersion. Et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'au départ, et ça, je pense que c'est moi une chose que je rajouterais sur la question de construction, c'est que tout ça, c'est de l'écrit, quoi, en fait, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture, alors qui se traduit, hein, c'est des écritures spatiales, et que la scénographie ou la muséographie, et ça va peut-être être là ma question, c'est une écriture, et une écriture qui a ses propres outils, qui sont complexes, particulièrement en architecture, parce qu'il y a un moment où l'échelle 1, elle est improbable, elle est impalpable, elle est inatteignable. Mais du coup, effectivement, toi, tu fais une différence entre muséographie, scénographie, et quelle est-elle, enfin, si elle existe ou pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un débat pour toi là-dessus? Non, je n'ai jamais bien réfléchi. Je pense que le terme de muséographie est plus juste. En tout cas, il a plus à voir avec cette question de l'écriture du sens. Celui à qui on doit tout dans ce domaine-là, c'est Jean-Jean Rivière, qui n'a fait que passer par l'échelle 1 et qui n'a fait que reconstituer des ambiances. C'est-à-dire qu'en gros, une cloche, la cloche de la vache, d'une vache du Larzac, ça n'a grosso modo pas beaucoup d'intérêt. Par contre, quand on en met 150, on voit le troupeau, quoi. Et là, on commence à comprendre de quoi on parle, c'est-à-dire le troupeau, le berger, on sent l'herbe. La transhumance, les rituels. Transhumance, l'auvergne, tout ça. Donc je pense que c'est vrai que c'est Rivière, quoi. La question de contextualiser l'objet, que le sujet de ce que l'on montre, c'est l'objet dans son contexte, un maître, c'est Rivière. Ça, c'est certain. Et un maître qui est revendiqué, mais quand même, qui est revendiqué par tout le monde, parce que personne ne se autoriserait aujourd'hui à dire que Rivière, à mettre d'être en critique vis-à-vis de Rivière, critique qu'il a bien connue pendant plus de 40 ans. Mais cela dit, le musée, l'enseignement de Rivière est fondamental. Pour autant, il n'est pas forcément visible tout le temps dans les musées. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment ou jamais. D'ouvrir un débat avec Aurélien. Je ne sais pas si on laisse en partage ou pas l'image, comme tu veux, Aurélien. Ah ben moi, ça me va bien, je ne vous vois pas, mais ça me va bien. Oui, vous pouvez remettre vos caméras, là, éventuellement. C'est pas mal qu'on se voit. C'est un peu bizarre de faire un cours où on ne voit personne, on est pas sur le mur blanc. Non, mais justement, si j'étais un peu comme ça, mais moi, c'est la première fois que je le fais. Donc... Ouais. Peut-être de couper l'élément en partage et puis on remet la mosaïque d'image. C'est pas mal si vous êtes… Attends, mon partage, il est encore là ? Ouais. Alors, tu peux le couper, je pense. Alors, attends. Arrête. Moi, je ne l'ai pas. Voilà. Et on peut se remettre en visio. Des questions ? Bonjour. J'aurais une question pour Monsieur Aurélien. J'aimerais bien savoir si vous auriez un mot à nous dire sur la manière d'exposer l'architecture aussi, mais l'art ou les autres objets au sein des musées permanents avec des expositions permanentes, parce que
Dans votre discours, on a beaucoup vu et entendu parler des expositions permanentes, temporaires, avec des narrations très précises sur un sujet ou deux sujets. Et moi, je voulais savoir si vous pouvez nous dire quelques mots sur vos expériences avec les expositions permanentes. S'il vous plaît. Oui, non, bien sûr. Merci. Sur le fond, il n'y a pas de différence. Sur le fond, de mon point de vue, sur le fond, il n'y a pas de différence. Après, le problème, c'est que si vous voulez, les contraintes d'une exposition permanente, c'est-à-dire l'exposition de la collection, sont plus importantes. Elles sont plus importantes parce que d'abord, il n'y a pas d'argent pour les expositions permanentes. Il y a de l'argent pour les expositions temporaires. Et puis que, étant donné qu'elle est permanente, il faut s'assurer aussi qu'il y ait un renouvellement des dessins. Parce que, bon, en architecture, il y a des maquettes, il y a des films, il y a de la documentation, mais enfin, on est quand même beaucoup sur le médium du dessin. Or, le dessin, l'art graphique est fragile. Donc, en fait, il y a des contraintes de rotation aussi. C'est-à-dire que ce que vous présentez pendant les 6 premiers mois, ben si vous n'avez pas beaucoup de cartouches derrière, vous ne pouvez pas le représenter derrière. Vous ne pouvez pas le représenter. Parce que les dessins sont fragiles. Cela dit, sur le fond, il n'y a pas de différence. Sur le fond, il n'y a pas de différence. De mon point de vue, il n'y a pas de différence. Après, c'est vrai que les conjonctures, le contexte fait que, quand vous avez, quand vous avez 400 000 euros quand vous avez 800 000 euros pour faire deux styles, sur 1200 mètres carrés, vous avez 300 000 euros pour faire 20 000 mètres carrés d'une exposition permanente. Mais c'est pour ça qu'il y a, il y a des inventivités à produire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les écoles, les lieux d'expérience, enfin, l'école peut être aussi un auxiliaire pour néanmoins produire des expérimentations au sein des galeries permanentes. Parce qu'à l'inverse, c'est plus facile de faire venir des étudiants sur une permanente que de le faire venir sur une exposition temporaire. Parce que dans une exposition temporaire, les délais de production sont très courts, on est toujours pris dans des phasages, des chantiers très réglementés. Dans une exposition permanente, vous fermez une salle pendant 3 semaines, sur une exposition temporaire, c'est plus délicat, c'est 3 semaines de chantier intégral. Donc moi, pour vous répondre à votre question, pour moi, conceptuellement, il n'y a pas de différence. En revanche, c'est plutôt dans les conditions matérielles que les choses sont différentes. C'est-à-dire que vous avez plus de liberté par rapport aux œuvres, puisque c'est les œuvres de votre musée. En même temps, il faut travailler avec les œuvres de votre musée. Et par ailleurs, vous avez un peu moins de latitude budgétaire. Mais conceptuellement, je ne vois pas de différence. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, oui, dans la partie, je pense, parce que en regardant par exemple l'installation des styles que vous avez construit, il me semble que ça a mérité de durer plus longtemps, par exemple. Il y a des choses. Je suis d'accord avec vous, mais le paradoxe, c'est que je suis d'accord avec vous. Mais de la même manière que le jardin de la Suze, si vous voulez. Mais là, on est dans des considérations qui sont plus tellement des considérations sur l'espace, la muséographie, etc. On est dans des considérations de gestion muséale. Parce que le jardin de la Suze, pour vous parler du montage financier, c'est un mécénat de Vinci et ça a coûté 300 000 euros. Mais l'œuvre, toute l'installation est rentrée dans les collections du musée. Mais le problème, c'est que vous faites l'exposition et puis après, on vous dit
Ah ben non, mais on ne peut pas le démonter parce que ça coûte 20 000 euros de le faire. Donc, du coup, vous avez une œuvre que vous ne pouvez pas protéger, que vous ne pouvez pas démonter, mais que vous ne pouvez pas non plus pérenniser parce que donc on ne va pas se prêter la terrasse du Pompidou à l'Italien. Donc, après, c'est plus des questions de politique, si vous voulez, pas de politique. Politique muséale, quoi, de gestion et de stratégie de direction, quoi. Mais sur le fond, il n'y a pas de différence. Sur le fond, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas lieu d'avoir de différence. Ok, merci. Rien. Je laisse la parole aux autres. Marco ? Non ? Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est marrant, vous avez parlé du lieu unique tout à l'heure, et j'ai le souvenir d'être allé visiter une installation qui n'était pas vraiment une exposition. Je pense que je n'ai pas retrouvé des images, je regardais tout à l'heure, mais c'était des architectes nantais qui s'appelaient Bloch et qui avaient justement fait une installation au lieu unique qui était un faux plafond inversé, qui était assez proche, qui n'était pas très haut. Et en fait, l'exposition constituait simplement à deux escaliers qui passaient au-dessus. Et donc, soit on se retrouvait au-dessus du faux plafond, soit en dessous. Mmh. Et c'était vraiment juste une expérience. Il n'y avait pas vraiment de narration dedans. Et je me souviens qu'à l'époque, Jean Blaise était aussi se posait vachement de questions sur comment exposer l'architecture. Parce que lui, il était plutôt dans une démarche où il ne voulait pas exposer de façon très narrative les choses, que ça l'embêtait d'exposer des maquettes, en fait. Donc, du coup, il prenait complètement le parti inverse et des fois, il se cassait un peu la figure avec des expositions que personne ne comprend et qui sont plus des espèces d'installations expériences. Voilà, moi, en fait, ça m'avait plu, mais c'était juste par rapport à est-ce que c'est tout le temps la narration contre l'expérience ? Mais je vois que vous l'avez un peu assimilé dans l'exposition. Non, moi justement, ce que je pense, je pense que c'est la narration pour c'est l'expérience pour la narration. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord. Enfin, le problème avec Jean Blaise, si vous voulez, c'est qu'il avait une approche très idéologique, très très idéologique. Oui, sûrement. Justement sur cette idée d'une critique très violente et peut-être justifiée. Enfin, je veux pas. Quand je dis idéologique, c'est pas forcément péjoratif, mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est inadmissible pour toute une catégorie de gens et c'est assez compréhensible. C'est la dimension fétiche du musée. Le musée produit des fétiches. Oui, et là-dessus, et c'est vrai que là-dessus, Blaise, il ne supportait pas. Quoi. Pas possible pour lui. Quoi. Donc, du coup, effectivement, on allait dans l'extrême. Moi, ce que je crois, c'est qu'une exposition d'architecture, c'est hybride. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas que des œuvres, c'est aussi de la documentation. Ce n'est pas que des films, mais c'est une hybridation. C'est une expérience spatiale, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des textes, c'est une écriture. Voilà, c'est une écriture. Comme l'écriture, comme disait Alexis, comme l'écriture, c'est hybride. C'est-à-dire que c'est, moi de ce point de vue-là, je reprendrai les thèmes chers à Fernand Léger ou chers à la peinture classique, c'est tous les moyens. Ce n'est pas un des moyens pris séparément, c'est tout ensemble. Ouais. C'est-à-dire, on fait de la doc, oui, on fait de la doc, mais on fait de l'espace, on fait de l'ambiance, on fait de la scénarisation, on fait de la narration, on fait de la dramatisation, on ramène les étudiants. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, moi, je suis plutôt, c'est tous les calques, quoi. C'est pas ça. Mais oui, vous avez raison. Le problème, c'est quand on est trop. Enfin, moi, en tout cas, je dirais, enfin moi, là, de ce dans quoi je me reconnais, c'est que c'est un médium hybride. Ouais. À la différence d'une exposition sur Léonard de Vinci. Moi, ça me ferait chier qu'on m'emmerde avec des zizi pampans ou une reconstitution en carton-pâte de la double hélice de Chambord. M'en fous. Je vais pas au Louvre pour voir Léonard de Vinci pour voir une reconstitution en carton-pâte. Mmh. J'y vais pour voir Sainte-Marie-le-Rocher. Mmh. Donc, et c'est là où c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'œuvre plastique d'artiste, elle est là, tandis qu'en architecture, elle n'est pas là. Oui, oui.
Et donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, on est plutôt dans une hybridation, donc dans une générosité, quoi. Okay. Voilà. Oui, ce qui n'était pas trop le cas dans l'exposition de blocs dont je parlais, qui n'était pas très généreuse, qui était un peu brute, et pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça devient... Ah oui, je n'ai pas vu cette expo, mais c'est vrai que... Bon, après, le lieu unique, c'est un peu compliqué, parce que ce n'est pas une institution muséale à proprement parler. C'est plus un centre d'art. Donc, puis c'est gratuit, il n'y a pas de, il n'y a pas de surveillance. Donc, c'est ouais. assez, assez... Enfin, bon, après, il y a tout ça derrière. Oui, bien sûr. Mais Blaise, il était quand même très... Oui, un côté comme ça, post-68 art. Oui, très total, oui. Ouais. Un peu costaud quand même. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Radical, quoi. Oui, carrément. Idéologique. Merci en tout cas. Je vous en prie, merci à toi. Juste peut-être pour rebondir, tu parlais de l'hybridation et puis de cette question de... C'est la multimodalité hein, de l'architecture et qui est peut-être un aspect intéressant en scénographie. Mais à t'écouter parler effectivement de Georges-Henri Rivière, je ne sais pas si les étudiants là ici, si vous êtes assez vieux pour certains, peut-être pour avoir connu le Musée des Arts et Traditions Populaires. Tu vois, ils ont. Et je ne sais pas si vous connaissez ce musée ou si vous avez eu le temps d'y aller avant qu'on le démonte. Moi, je voudrais savoir ce que tu penses de ce démontage. Pour moi, c'est un des drames de ma vie de muséophile. Alors, tu sais, c'est pareil. Bon, je ne sais pas, Nicolas, vous enregistrez. Enfin, je ne sais pas s'il y a lieu d'enregistrer ces propos. Mais vas-y, sois diplomate. un peu. Moi, j'aime beaucoup, mais il y a un paradoxe énorme. C'est-à-dire que dès les années 30, alors Georges-Henri Rivière, c'est qui ? Je vous rappelle juste comme ça. Vous voyez à peu près qui c'est ou pas du tout ? Camarade ? Non. Georges-Henri Rivière est conservateur au Musée de l'Homme dans les années 30. Donc, c'est un ethnologue. En gros, il est dans la famille Lévi-Strauss, enfin, tout ça, c'est un ethnologue. Voilà. Mais lui, plutôt que de travailler sur ce qui s'appellera plus tard les arts premiers, c'est-à-dire en gros les sociétés dites primitives, avec mille guillemets, hein, parce qu'on a bien compris avec Lévi-Strauss que les sociétés primitives n'étaient peut-être pas si primitives que ça, enfin peu importe. Donc plutôt que de travailler en gros sur les aborigènes. Ou sur les Indiens du Brésil, lui, il a porté son ethnologie sur la culture traditionnelle rurale française. Donc, il a fait une ethnologie française. Et c'est à lui que l'on doit le concept, et ce qui va faire florès dans les années 90, d'écomusée, c'est-à-dire... la culture des paysans en Savoie, la culture du vanier à Arles, le berger dont on parlait tout à l'heure avec Alexis en Auvergne. Et donc il va militer pendant. Donc il va réussir à obtenir la création d'un département d'art et tradition populaire au Musée de l'Homme. Et puis, il va réussir à mettre en place, et ça va être très très long, à ce qu'il y ait une institution autonome qui s'appelle le Musée des Arts et Traditions Populaires, construit dans les années 60 par Jean Dubuisson, devant le jardin d'acclimatation, aujourd'hui face à la Fondation Louis Vuitton. Et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que le projet était extrêmement ambitieux, tant du point de vue de collecte, parce que si vous voulez le truc qui se passe, c'est que c'est un vrai anthropologue Rivière, c'est-à-dire qu'en fait il commence à collecter ce qui est en train de disparaître, c'est-à-dire qu'on construit un musée sur les traditions rurales dans les années 50, au moment où en gros la ruralité ou en tout cas la culture agraire disparaît, hein, parce que c'est ça qui se passe, c'est-à-dire l'industrie a détruit le a détruit, la modernisation des campagnes a détruit ce qui était l'objet de Georges-Henri Rivière. Voilà.
Et c'est vrai que c'est très bizarre parce que ce musée sera fini dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et puis, dans les années 2000, il est fermé parce qu'il n'y a personne qui y va, parce que le bâtiment ne s'entretient pas, etc. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dans les années 2000, je ne me souviens plus qui, lance le projet du musée des cultures de la Méditerranée. Le MUCEM. Je ne sais pas qui à Marseille, le MUCEM, et je ne sais pas qui a eu cette idée saugrenue de dire que le fond de la collection du MUCEM, c'est-à-dire de la culture méditerranéenne, sera le musée des arts et traditions populaires. Sachant que c'est un peu compliqué quand même d'exposer au musée de la culture méditerranéenne des cloches des bergers d'Auvergne. Et donc, il y a un montage politique qui est très paradoxal. Cela dit, ce type de montage politique, il est récurrent en France. Le Centre Pompidou, c'est l'exemple même. C'est l'exemple même d'une espèce de montage politique. Le Centre de création industrielle, il est aux Arts Déco. Le Musée d'art moderne, il est au Palais de Tokyo. Et puis tout d'un coup, on va fabriquer de toutes pièces une institution dont aujourd'hui on a l'impression qu'elle est naturelle. Enfin, elle n'est pas du tout naturelle. On a cassé les arts déco pour qu'on soit Pompidou, hein, quand même. Enfin, faut vous le dire un petit peu. Et le MUCEM, c'est pareil. Et le Quai Branly, c'est pareil. Le Quai Branly, on a dépecé le musée de l'homme et le musée des colonies pour fabriquer le Quai Branly. Donc, il y a deux choses dans ta question, à mon avis, Alexis. Il y a le paradoxe que Rivière a inventé une modalité muséographique très forte. Il a mis en place et institutionnalisé un domaine de recherche et que simultanément à ça, il a réussi à le monter et que simultanément à ça, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Donc, il y a un échec, enfin, il y a une faillite, il y a un collapse dans son affaire. Et c'est vrai que ce musée, moi, je ne l'ai pas visité non plus, puisque je suis arrivé à Paris après sa fermeture. Donc, je n'en connais que la documentation. Quoi. Regardez, peut-être, c'était un musée assez... Enfin, moi, j'ai fait mes études, quoi, parmi d'autres, hein, et je citerai ici... Parce que ça rejoint effectivement la question des constructions et du discours. C'était Zeff Courarier qui était un des disciples, enfin, parmi les conservateurs qui étaient profs à l'école du Louvre quand moi j'étais étudiant, et aussi disciple finalement de Georges-Henri Rivière, qui commençait son cours dans le grand amphi de l'école du Louvre très solennel. Il disait voilà, à Versailles, il y a l'art aristocratique, aux arts décoratifs, il y a l'art bourgeois, et aux arts et traditions populaires, il y a l'art paysan. Eh bien, mon cul. Il commençait son cours comme ça pour démonter effectivement les séquences de catégorisation, c'est-à-dire effectivement comment s'est construit l'histoire et comment se construit le... Voilà. Et ce musée, alors regardez les images, je ne sais pas si vous les avez vues en partage pendant qu'Aurélien nous parlait, j'essaie de vous montrer. Regardez, alors sur Internet, il y en a peu, je suis étonné du peu d'images parce que c'était un endroit extrêmement photogénique, mais je pense que comme il était très sombre, très intériorisé, c'était très complexe. Et entre autres, il y avait tout un propos muséographique sur comment montrer des costumes sans mannequin, par exemple. Donc, il y avait cette espèce de présence de l'absence. Et en même temps, c'était hyper immersif. C'est-à-dire que d'un coup, c'est ce que disait tout à l'heure Aurélien, c'est une cloche de vache de transhumance. Vous en mettez 15 dans une vitrine et là, vous avez le troupeau, la montagne, le bruit des cloches. Et c'était très étonnant parce qu'en fait, je trouve que par rapport à tout ce que tu nous as montré, c'était un musée qui montrait de l'architecture, en fait. Il montrait de l'intérieur. Totalement. Mais les habitants paysagistes de la Suisse, ils étaient aux arts et traditions populaires. En fait, si tu veux, là, moi, je crois qu'il y a deux grandes cultures qui se nomment pas comme cela, mais qui sont quand même le grand clivage en France. Les majoritaires, c'est la culture de l'objet. Quand je dis la culture de l'objet, c'est la culture de l'œuvre. L'unicum, le truc que tu poses au mur. Et ça, Rivière, il était contre. Et puis, tu as la culture alternative qui est la culture du contexte. Voilà. Et c'est vrai que moi, il me semble que quand je fais Guéry, si tu veux, je suis dans la culture de l'objet. Parce qu'on me le demande, et c'est la contrainte, c'est la commande. Je les montre bien, peut-être. Mais quand je fais la Suisse, je suis dans la culture du contexte.
que le musée, dans les années 80, tu parles de ZEV, c'est tout à fait logique, dans les années 80-90, il y a une vraie volonté, il y a une espèce d'appétence réelle sur le pluridisciplinaire, sur croiser les cultures, sur croiser les supports, croiser les médiums. Depuis les années 2000, on est revenu à une conception du musée extrêmement classique. Extrêmement classique. Et je suis navré de le dire, mais le Centre Pompidou, depuis 15 ans, est globalement dans une culture académique. Et en fait, défend une culture académique, même si après, tu as des moments un peu bizarres, modernité plurielle, en effet, c'est un peu zarbi, toute la question du genre, c'est des moments un peu comme ça, zarbi, mais c'est un peu le champ du cygne, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au Centre Pompidou? On fait des grandes monographies d'artistes, et puis on présente l'art moderne canonique. Voilà. Et donc, mais je pense que pour vous, c'est important, ça, pour vous, scénographe, enfin, architecte, scénographe, de bien voir que quand vous avez un curateur devant vous, de quel côté il est, même si c'est le clivage est beaucoup plus complexe que ça, mais est-ce qu'il est du côté de la célébration de l'objet ou est-ce qu'il est du côté du contexte, sachant qu'il y a des fois, il faut être du côté de... Enfin, moi, quand j'étais au musée de l'immigration, je me suis dit, il faut absolument être dans le fétichisme des objets, construire le fétichisme des objets. Donc, en plus, ces positions elles-mêmes, elles sont contextuelles. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut être d'un côté, il y a des fois, il ne faut pas être de l'autre. Enfin, bon, c'est compliqué, mais malgré tout, il y a un clivage philosophiquement, intellectuellement, dans l'écriture dont tu parlais, il y a un vrai clivage. Et Georges-Henri Rivière, juste pour compléter ce que tu disais, on disait que c'était la muséographie au fil de nylon. Parce qu'en fait, toutes ces vitrines, elles étaient fabriquées avec des fils de nylon. Pour faire tenir les machins, les trucs et les bidules, et ben, c'était des fils de nylon, donc invisibles. Donc, vous les avez là, les fils de nylon. Je ne sais pas si vous voyez le partage, mais c'est une des rares images qui traînent. L'architecture au fil de nylon, quoi. Ça, c'est joli, quoi. C'était pas forcément les plus belles vitrines. Il y avait aussi des reconstitutions d'intérieur. Alors, on était beaucoup dans la période aussi. Le fameux bourron. Oui. Bourron des causes. Mais ça pose effectivement, et par rapport à la thématique de l'architecture, puisque la cité se pose la question, on a vu une représentante de la cité de l'architecture et du patrimoine qui disait, voilà, nous, on a une question quand même fondamentale, comment on expose l'archi. Je pense que personne n'a réussi à la résoudre vraiment, cette question. Elle est complexe, comme tu dis, on ne peut pas montrer l'objet. Donc, effectivement, c'est comment tu le suggères de mille façons. Et je pense évidemment à la reconstitution à échelle 1 d'une des cellules de l'unité d'habitation de Marseille. Mais ça ne marche pas, ça. Mais ça marche, voilà. C'est si en tant qu'objet d'étude, tu vois, tu ne peux pas aller à Marseille. Mais en fait, effectivement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. De la même manière que la manière, et d'une certaine manière, paradoxalement, moi je serais prêt d'ailleurs à en discuter avec Corinne Bélier, hein, mais paradoxalement, le rez-de-chaussée marche mieux que l'étage parce que le projet d'estampage et de témoignage des monuments français est lisible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est lisible en bas? C'est lisible, c'est le projet du 19e siècle. Alors, ils en font pas un argument narratif, c'est dommage, mais c'est lisible. Tandis qu'en haut, ce n'est pas lisible. On ne comprend pas pourquoi on a une idée d'habitation. On ne comprend pas. Et parce qu'on est dans la célébration et on n'est pas dans le process, à mon avis. C'est de l'argument d'autorité, si tu veux. Honnêtement, l'unité d'habitation de Marseille, bon, c'est sympa. Enfin bon, on ne va pas quand même... Ça ne casse pas à trois pattes et un canard. Enfin, je ne sais pas, moi, spatialement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'habiter dans ce genre d'espace, mais on a le droit d'être critique quand même. Fais gaffe, t'es enregistré. Ah non, non, vous supprimez tout ça. Est-ce que vous avez des questions pour Aurélien? Ah, il faut que tu mettes ton... Oui, mettre le micro. Ton micro, parce que sinon je ne t'entends pas. Non, il faut que tu... Ah, voilà. Oui, c'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, ouais. Oui, parfait. Ouais. Et d'abord, je voudrais me présenter. Je ne suis pas vraiment étudiante.
Je suis chercheur visitante à l'IPROS et professeur à l'Université fédérale de Rio. Donc, je vis votre notice et je suis très heureuse de voir votre conférence. Merci. Alors, vous parlez parce que le thème du musée, c'est très cher à moi aussi. Alors, vous avez parlé de l'histoire des musées, un sujet, et l'histoire de l'exposition, un sujet qui a commencé à peu près dans les années 2000. Et alors qu'on voit clairement qu'il y a beaucoup d'études dans les séminaires sur ce sujet. Vous parlez de ça aussi. Donc, je voudrais vous poser une question pour savoir qu'est-ce que vous pensez d'avoir des salles dans des musées où nous avons des anciennes muséographies à montrer. Ça veut dire qu'on peut garder l'histoire des muséographies aussi pour montrer aux gens comme se faisait d'abord. Je pense par exemple au musée au jardin des plantes, le musée de paléontologie, je pense, qui a gardé des salles du 19e avec les petits espaces pour montrer des os, etc. Moi, je suis très fan. Enfin, après, vous avez compris qu'il y a des contextes particuliers, mais sur le principe, moi, je trouve qu'un musée qui expose l'histoire de ses propres manières de concevoir son rôle, moi, je suis très favorable. Je trouve ça passionnant. Et si vous voulez, moi, je pense que le test, c'est un enfant de 11 ans. Non, mais c'est pas de la démagogie, ce que je veux dire. Oui, par là. Je comprends. Non, mais voyez ce que je veux dire. C'est qu'un enfant, il comprend. Ah, c'est vieillot. Ben ouais, c'est vieillot. Ah, mais regarde, il racontait l'histoire de l'homme comme ça. Mais en fait, c'est plus comme ça qu'on la raconte. Moi, je trouve ça très passionnant. Et quand j'étais allé à l'ouverture de Quai Branly avec mes enfants, j'avais été très surpris, si vous voulez. J'avais passé plusieurs heures. Mais en fait, ma fille m'a dit, mais on est sorti du musée. Et elle me dit, mais papa, c'est quoi une sorcière? On avait passé 3 heures dans le musée où on nous montre que du chamanisme, quand même. Et on n'avait pas compris ce que c'était une sorcière. Et donc, du coup, moi, je suis assez favorable à... L'exemple que vous donnez sur le musée d'histoire naturelle, c'est assez fort, parce que ça... C'est spectaculaire, la manière dont au 19e et jusque dans les années 50, on faisait l'histoire naturelle. Il y a un truc très sensible. Et non, moi, je suis assez favorable à ça. C'est-à-dire que je suis assez favorable à ce que le musée s'expose lui-même et dise qui il est et donc mettre une distance, quoi. Et donc moi je suis assez favorable. Vous savez, il y a encore des lieux comme ça en Europe où on peut visiter des musées comme dans les années 50. J'ai le souvenir à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage, dans les salles du rez-de-chaussée de l'Ermitage, vous avez la Renaissance italienne. Donc, Botticelli, Léonard de Vinci, etc., etc. Et puis moi, j'y étais allé un jour de canicule. Et puis les gardiennes de musée, puisque c'est que des femmes, elles avaient ouvert les fenêtres. Et je dis, mais vous ouvrez les fenêtres alors que vous avez quand même les plus grands chefs-d'œuvre de l'Europe, là, exposés. Mais, bah, monsieur, il fait chaud, on ouvre les fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, et ça, je trouve, c'est merveilleux, quoi. C'est désuet, on ne fait plus ça aujourd'hui, mais ça porte l'imaginaire, parce que le musée, c'est un espace d'imaginaire. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il faut... Il y a une salle qui n'est pas bien faite, mais qui a beaucoup de potentiel au Louvre, comme ça. C'est la salle où on n'expose que les cadres. Je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Elle n'est pas très bien faite, parce qu'en fait, ils ne montrent que des cadres, donc on a l'impression d'être chez l'encadreur. Dommage. Et moi, je suis assez d'accord avec vous que le musée, que dès lors qu'il a l'espace pour, qui donne à voir son histoire. Et ça, je trouve que c'est assez riche, ouais. Ça, c'est potentiellement très riche, quoi. Mais il faut qu'il l'assume.
Et ça, c'est un autre boulot. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Merci pour le cours en France. J'aurais une question. Est-ce que, enfin, dans la même lignée, est-ce que la scénographie pourrait s'exposer? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que la scénographie pourrait s'exposer? Je ne sais pas si c'est la scénographie qui peut s'exposer. Mais les modalités de présentation d'une œuvre, oui, ça revient à la question de votre collègue Maria Cristina. Mmh. Et est-ce que la scénographie à proprement parler peut s'exposer? Par exemple, le processus des créations d'une scénographie, c'est assez terre à terre, là, c'est l'idée qui me vient, mais des plans ou de concepts d'un scénographe. Oui, mille fois oui. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ça, dans les années 80, c'était ça. Quand vous, alors, pas forcément dans la salle d'exposition, mais quand vous prenez le catalogue des immatériaux, l'exposition que je vous ferai tout à l'heure, ben, la moitié du catalogue, c'est le process de conception. Donc, c'est les crowbars, les fax que les commissaires, les artistes, les scénographes s'envoient. C'est les comptes rendus des réunions. C'est tout le processus. Alors, moi, ça, j'y crois beaucoup. Exposer une scénographie, exposer le processus de la scénographie, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. En revanche, le restituer dans le catalogue, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'une exposition, c'est un processus. C'est un processus collectif. Donc, si vous voulez, moi, je fais une analogie avec l'architecture. Le chantier ne s'expose pas. On ne montre pas le chantier. Pourquoi? Parce que c'est le lieu du secret et c'est le lieu de la guerre. Un chantier, c'est la guerre. Je ne sais pas si vous êtes archi, si vous avez déjà fait un chantier. Mais en gros, c'est la guerre socialisée, quoi. C'est la guerre normale. Donc, ça ne s'expose pas. Par contre, ça se raconte. Ça se raconte. Et je pense que le processus d'élaboration, de rencontre entre un scénographe, un architecte, des artistes, un commissaire, une institution, oui, ça, ça s'expose. Ça, ça se montre. La scénographie à proprement parler, non. Mais tout le processus collectif, oui. Ça, oui, moi, je suis convaincu de ça. Et c'est pour ça que, pour ma part, j'ai beaucoup milité pour faire des séminaires avec des étudiants, en master, etc., sur la conception d'exposition. Parce que c'est justement alimenter le processus et l'exposer. Et l'exposer. Après, est-ce que ça s'expose dans les salles à proprement parler? C'est pas sûr. En tout cas, moi, j'ai su le faire dans le catalogue. J'ai su voir aussi que c'était fait dans les catalogues. Dans l'exposition elle-même, c'est plus délicat. Même s'il y a... Mais voilà. Après, pourquoi pas, hein? Mais je pense que oui. Je pense que c'est une piste, une vraie piste, quoi. Mais si on entend scénographie au sens large, quoi, pas au sens du prestataire de service qui vous fait un APD et un appel d'offres. Mm-hmm. Si c'est ça, c'est pas très porteur, quoi. Par contre, si c'est la rencontre entre différentes cultures qui essaient et comment ça prend, quoi, oui, ça oui, moi je le pense, oui. Et je pense, non seulement je le pense, mais en plus je pense que ça passionne les visiteurs. Que je pense que les visiteurs ne sont pas très intéressés. Enfin, ils ne prennent plus aujourd'hui. Le musée était jusqu'à l'avènement généralisé du numérique, était un lieu d'autorité. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous n'avez pas besoin d'aller au musée pour avoir la notice d'autorité sur telle ou telle peinture. Dans Wikipédia, c'est réglé. Donc le musée doit apporter autre chose. Donc je pense que le musée qui s'expose, oui. La scénographie qui s'expose, ça me paraît un peu réduit. Voilà. Ok. À méditer. Voilà. Sauf à considérer que la scénographie est une œuvre architecturale emblématique, exemplaire, extraordinaire. Donc ça, c'est un peu autre chose. Quand Copimelblot, il fait tout son bazar au Centre Pompidou, c'est une œuvre de Copimelblot. Donc oui, ça s'expose comme ça, quoi. On n'est plus dans la scénographie, on est dans un geste sculptural.
Non, où je pense à comment s'appelle cette architecte brésilienne qui est scénographe. On a eu une conférence sur elle il n'y a pas longtemps, mais le nom m'échappe. Ah, Nina Bobardi. Nina Bobardi, exactement, qui a mis au point des systèmes d'accroche de tableaux. Peut-être que ça peut se mettre. Paroi de verre. Voilà, c'est ça. Ça peut se mettre aussi. Et ça, c'est un système qui venait de l'Italie, de la post-guerre de l'Italie. C'était le système qui, son mari, il avait une galerie d'art, et alors elle n'exposait pas un panneau de verre comme ça, mais justement, les tableaux, ils étaient accrochés juste à un morceau de bois, donc il était au vide, c'est ça. Et avec les doubles panneaux de verre, elle voulait montrer contre les vides. Mais elle voulait montrer aussi toute l'histoire du tableau qui était derrière le tableau, qui a donné, etc. Donc, il avait des couches différentes, des narratives aussi sur le musée. Elle avait déjà cette stratégie. Hein. Ça, c'est les années 50. D'abord, c'est les années 50, mais le musée était... fait aux années 60. Bon, pardon, c'est parce que Lina Bobard, c'est vraiment mon métier. On aura une conférence sur la scénographie de l'Italie d'après-guerre dans un mois à peu près. Ça complétera peut-être un peu tous ces débats. Je referme mon micro. Si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être. Ah oui, alors Zoom 08 ENSAPB, c'est toi, Nicolas. Oui, oui, c'est Nicolas. En fait, on a le même indicatif. Je me suis coupé pour pas. Ouais. Pour la bande passante. Voilà, c'est ça. C'est le nouveau Dieu, c'est lui. Bon, bah, ravi, parce qu'on se connaissait, enfin, on s'est eu au téléphone, mais on ne se connaissait pas. Ouais. Donc, je peux que je puisse te reconnaître si on se croisait dans la rue, si toutefois on pouvait encore se balader dans la rue dans le temps à venir. Oui, tu n'as pas l'air d'être dans un endroit où il y a tellement de rues, là, je ne sais pas où tu es. Mais... Non, moi, pas trop, non. Ça a l'air de. Non, moi, c'est la prairie, c'est le Middle West. D'accord. Français. Les terrains libérés. Mais moi, j'ai quand même réussi à trouver un spot où il y a Internet. Oui, bravo. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions dans nos auditeurs, auditrices du master. Claire-Lise, vous avez terminé? Oui. Enfin, je réfléchissais à comment mettre en scène la scénographie au sein même d'une scénographie d'architecture pour accompagner, enfin, pour faire encore plus de médiation autour d'une œuvre architecturale, quoi. Comme scénographie et architecture sont très liées. Enfin, à part des idées qui sont un peu ludiques ou j'ai pas de choses précises en tête, donc pas de questions, je crois. Moi, j'ai une question. Bonjour, merci pour tout le contenu, c'est très intéressant, très relié à l'architecture. J'ai une petite question concernant la première dimension, quand vous avez parlé de rendre sensible la notion de l'espace, comment on expose cette archi. Et ça m'a un peu rappelé, si on parle de mise en abîme, est-ce que, d'après votre expérience, prolonger ou projeter le site, le style de l'œuvre architecturale ou le courant architectural qu'on expose à travers la scénographie ou la disposition qui le fait, va concurrencer en une sorte le contenu ou plutôt le servir. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Ouais, merci. C'est très clair. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue à votre question. Si vous voulez, le problème, c'est quand même que... Moi, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que une exposition, fût-elle d'architecture,
elle est construite sur un propos. Oui. Et le propos n'est pas de l'autorité du scénographe. Ah, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Le propos, il est de l'équipe des commissaires. Voilà. Donc, on peut tout à fait imaginer que on surjoue, par exemple, une scénographie d'un style postmoderne pour soutenir le discours postmoderne, je ne sais pas moi, d'un Aldo Rossi, c'est ce que je sais, quoi. Ça peut tout à fait exister. Moi, par exemple, sur les mégastructures, j'ai surjoué la dimension dramatique des mégastructures. C'est ce que j'ai fait. Mmh. Et, ou alors, au contraire, on peut prendre le contre-pied. Mais ça, c'est la question du propos. Non. Quel propos on veut tenir ? Donc ça, c'est la question en amont. Vous voyez ? C'est la question, c'est la première, c'est la question en premier lieu. C'est la question du propos, à proprement parler. Ouais. Et ensuite, la scénographie, elle participe de ce propos. Mais on ne peut pas répondre dans l'absolu, quoi. Après, il y a des petits trucs. Hein. Moi, je peux vous en donner un. Il y a quand même deux grands modes d'exposition. Soit que la salle, elle est noire, sur mon mur noir et... dans le noir, soit les blanches. Ce n'est pas du tout pareil. Ouais. Moi, quand j'ai des documents un peu pauvres, ce qui était mon cas au Bangladesh, dans un espace qui n'est pas très qualitatif, j'ai tout mis dans le noir. Parce que tout d'un coup, les petites choses prennent plus d'ampleur. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes dans une expo très classique, blanc et tout, ben, ça réduit quand même. Ça, ah bon, ça a coupé ça, le blanc, qu'est-ce que ouais, ça réduit, ça diminue quoi, la puissance des objets. Donc après, vous avez des systèmes de dramaturgie, quoi. Vous voyez ? D'accord. Moi, je pense que votre question, il faut la considérer par rapport au propos juste. Oui. Parce que ça peut parfois appauvrir le contenu ou l'œuvre et parfois ça peut le servir. Donc, c'est à double tranchant. Mais j'avais envie de savoir, d'après vos expériences, si vous avez un retour. Ah merci, bon, merci beaucoup. Non, mais moi, la seule chose que je peux pas dire, il n'y a pas de recette, quoi. D'accord. Il n'y a pas de recette. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. C'est en fonction du lieu de... En revanche, si vous voulez, je trouve que quand ils ont fait Tada Ando, mes anciens collègues, je respecte profondément, mais quand ils ont fait un pastiche d'un mur en béton avec des plaques de contreplaqué, là, je pense qu'il y a un processus majeur. Parce qu'en fait, ils sont sur l'objet, précisément, et ils ne sont pas sur la puissance de la matière. Alors, si Tada Ando, il parle bien d'un truc, c'est qu'il parle bien de la matière, quoi. Et s'il fait des murs en béton et pas des murs en contreplaqué ou en carton pâte, c'est bien parce qu'il y a une matière. Donc, en prenant l'image de la forme, l'image de l'objet pour l'objet, et ben en fait, ils détruisent ce qui fait la qualité de l'objet. Alors pour moi, il y a un contresens total. Vous voyez ? Par contre... S'ils avaient construit un vrai mur de béton, quitte à ce qu'il soit plus petit, quitte à ce qu'il y ait des fers, quitte à ce qu'il... Alors là, on aurait été dans autre chose. Parce qu'effectivement, construire un mur de béton dans un musée, ramener 3 tonnes de béton dans un musée, là, c'est puissant. Ouais. Et faire considérer qu'un mur, c'est simplement une forme et un dessin, et une vague texture, non. C'est l'inverse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'inverse du propos. Donc, à mon avis, soit on est très fort dans le propos et on sait le faire, soit à ce moment-là, il vaut mieux se retenir. Merci. Oui. J'ai eu ma réponse. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Moi, j'ai une question, personnellement. Déjà, merci pour tout ce qui a été dit au cours des deux dernières heures. Je voudrais vous demander, quand vous parlez d'expérimenter un espace et une spatialité dans le fait de proposer une scénographie et de raconter l'architecture, est-ce que, dans ce sens-là, vous envisageriez de performer l'exposition, de performer l'architecture, par exemple, je ne sais pas, la première idée qui me vient, c'est on propose un aménagement, une scénographie pour une exposition sur Franck Guéry la scénographie est amenée à changer plusieurs fois au cours de tout du laps de temps d'exposition, ou est-ce que ça peut être des performeurs, enfin, imaginons une reproduction d'un espace un peu comme l'unité d'habitation à la Cité de l'architecture et je ne sais pas, il y a une performance qui se déroule, qui montre aussi que l'architecture peut être vécue autrement que par ce qu'on voit, en fait. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Est-ce que la performance, ça peut être un moyen d'expérimenter? Ben, moi, c'est toujours pareil, je ne sais pas répondre à votre question, si ce n'est qu'il y a des artistes qui ont fait ça. Moi, je ne l'ai jamais vu dans une exposition d'architecture. Mais je l'ai vu dans des expositions d'art. Je pense notamment à Pierre Huyghe au Centre Pompidou. Il y avait cette présence de ce chien qui avait une patte rose, qui tournait dans l'exposition. Il y avait une dimension performative. Et puis il y avait l'action Tino Segal au Palais de Tokyo il y a 3-4 ans. Où on n'était que sur la question de la performance et du fait de l'individu qui interpelle l'agent qui interpelle le visiteur, mais c'était ça, c'était l'interpellation qui était l'œuvre à proprement parler. En architecture, je ne sais pas, pourquoi pas. Ça, c'est un vrai bel axe programmatique, par exemple. Okay. C'est un vrai axe. Il l'avait fait un peu au lieu unique, mais ça n'avait pas bien marché sur Lucien Kroll. Il construisait vaguement. Il y avait des étudiants ou des jeunes, je ne me souviens plus, qui fabriquaient leur maison dans l'espace de l'exposition et que c'était l'idée de la participation et de l'autoconstruction qui était mise en scène. Pourquoi pas? Mais il faut que ça. C'est du boulot, ça. Hein. C'est vraiment. Déjà, faire une expo, c'est du boulot. Mais alors, faire une expo vivante. Enfin, c'est-à-dire vivante dans le sens où les choses changent et évoluent au fur et à mesure, il faut être sacrément charpenté, il faut être costaud. Il ne suffit pas de le dire, enfin, c'est pas ce que je veux dire, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire, et le faire, il faut que ça soit, c'est de la haute couture, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est de la haute couture, donc pourquoi pas, mais... Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est du taf. Hein. C'est du taf et du pognon, si je puis me permettre. Merci. Question, pas de réaction. Bon, bah merci beaucoup. Merci Aurélien. Merci à tous pour votre présence et votre attention. Je crois qu'on peut couper là, à ce moment-là, et puis en se souhaitant à tous un très bon week-end. Merci.